Good morgen, allez, Iden, tu seras aujourd'hui le Nishmat Avram, Mordechai, Ben Yitzhak, Befani, ainsi que le Refouat, Léa, Batelisheva. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude, vous pouvez contacter 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Ragiga, Perek Alef Mishtachet, Heter Nedarim, pour Rechin Ba'avir, Ve'en Lehem Alma, Sheismochu. Ilchot Shabbat Ve'chagigot, Ve'ameilot, Re'em, Keharim Atluim Be'sa'ara, Shehen Mikra Mu'at, Ve'alachot Merubot. הדינים והעבודות והטהרות והתומות והעריות יש להם על מה שיסמוכו, הן הן גופי תורה. Une Mishnah qu'on a du mal à comprendre un petit peu le rapport avec tout le reste de la Mishnah, avec de la Mishnah précédente, si c'est le fait qu'on va mentionner Chagiga, mais une Mishnah qui, je traduis directement tout, après on expliquera un petit peu. Eterne Darim pour Rin Bavir, le fait de pouvoir permettre les vœux, l'Eterne Darim, la Tarat Nedarim, ou Afarat Nedarim, Eterne Darim plutôt, eh bien, sache que cette permission-là, elle est pour Rin Bavir. Elles volent dans l'air. Ve'enahem alma she'ismochu. Elles n'ont pas vraiment sur quoi s'appuyer. Les Ilchot Shabbat, on a trois niveaux, après on va expliquer les trois. Ilchot Shabbat, par contre, les lois du Shabbat. Va'chagigot, et le devoir d'apporter le korban Chagiga. Ve'ameilot, et aussi les interdits de Meila, du sacrilège, celui qui utilise quelque chose qui appartenait au Hekdesh, pour son profit personnel. Eh bien, Arehem, Kararim, Atlouim, Besara. Ils sont comme des montagnes suspendues par des petits cheveux. C'est-à-dire, cette fois-ci, il y a quelque chose de plus concret. À la différence du cas précédent, où c'est quelque chose qui flotte en l'air sans pouvoir s'appuyer. Là, c'est quand même quelque chose de concret, mais qui est une grosse montagne retenue par un petit fil. Pourquoi ? Shehen Mikra Mouat, car elles contiennent des. Peu de versets, mikra moat, des psukim moatim, un peu de versets, valachot merubot, et par contre, beaucoup de halachot. À la différence des hadinin, des avodot, alors les dinim, c'est les lois les lois de justice de Ben Adam al-Khavero, de tous les dinim amonot, les litiges d'argent, le vea avodot, le service qu'il faut faire au Beth Amikdash. Ataharot et les lois de pureté, Vatumot et d'impureté, mais aussi les Arayot et les incestes évoqués dans la Torah. Cette fois-ci, Yeshleim, Almash et Smochu, elles ont bien sur quoi s'appuyer. Soit en fait, on a dans le Mishnah trois de niveaux, d'abord plusieurs domaines de halakha évoqués, dans toutes sortes de domaines, et avec trois niveaux de preuves concrètes à l'appui à partir des versets, soit. La Torah chez Birtav, dans la Torah, on a la Torah chez Birtav et la Torah chez Balpé. La Torah chez Birtav, c'est la Torah écrite. Et la Torah chez Balpé, c'est ce qui a été transmis depuis Moshe Rabbeinu. Comment interpréter la Torah qui est écrite? Maintenant, il y a des halachot où vous lisez le Chumash, vous avez l'essentiel des halachot qui sont écrites. Vous prenez toutes les lois des Tumot Vetaharot, par exemple, comme c'est le dernier cas. La Torah, elle rallonge énormément. Vous lisez juste avec une lecture attentive des versets en comprenant bien ce qui est écrit. Et vous allez connaître un pourcentage très conséquent d'Halachot de ce domaine. À la différence, par contre, des lois de Shabbat, on va expliquer exactement lesquelles, ou des Meïla, cette fois-ci, une lecture simple du texte ne vous apportait pas à toutes les Halachot qu'on va connaître. Mais une fois qu'on connaît les Halachot par la Torah orale, alors on est capable de les retrouver malgré tout, comment elles sont, comment on en fait, la Torah elle fait allusion, avec des mots supplémentaires, tout ça. À la différence d'Eter Nedarim, la possibilité de partir faire la Hatarat Nedarim, cette fois-ci, il n'y a presque pas de verset. C'est très très faible. C'est vraiment une pure transmission orale. Maintenant, c'est quoi Eter Nedarim? Alors maintenant, on va expliquer un petit peu mieux. Ah, d'abord, je conclue juste la Mishnah, parce que la Mishnah me dit Hen Hen Goufetora, attention, quelle que soit toute sa lachot, c'est ça les Goufetora. Il faut dire Hen Ve Hen Goufetora. Comme ça, le partenariat nous rapporte. C'est-à-dire, attention, même si je t'ai fait, il y a des lachot qui sont plus explicites que d'autres qui sont. Malgré tout, il y a tiré par les cheveux, soutenu par les cheveux, comme on a dit, les montagnes soutenues par les cheveux. Et il y a des halachot qui sont complètement, presque pas écrites en fait, en réalité. Sache que malgré tout, Enen Goufé Torah, tout est la Torah essentielle qui a été transmise par Moshe Rabbeinu. Seulement, des fois, la Torah, Hachem, il a prévu que l'allusion à l'halacha orale, elle sera plus explicite dans les versets. Et des fois, non, et des fois, presque pas. Maintenant, on explique un petit peu mieux c'est quoi l'Éternel Darim. L'Éternel Darim. C'est la possibilité d'aller. Vous savez, quand on fait un vœu. Alors, imaginez, j'ai fait un vœu que demain, je n'allais pas manger de pastèque. D'accord, j'ai pas mangé de pastèque, donc demain, j'ai interdit la pastèque, j'ai pas le droit de la manger à cause du Loyachel Devaro. Il s'avère que le lendemain, hein, je me retrouve dans une situation où il n'y a que moi et j'ai que des pastèques à manger, sinon je meurs de faim.
sinon je vais pas supporter. Alors là, du coup, je commence à regretter. Je dis, ah, si j'avais su lui aller dans une situation pareille, j'aurais jamais prononcé mon vœu. Ben, je vais voir un chacham en lui disant, tu sais, il va trouver un pétach à mon éder. Ça s'appelle, il va trouver une ouverture à mon éder. En disant que dans cette circonstance, jamais j'aurais. Au moment où j'ai prononcé mon vœu, j'ai pas calculé une circonstance pareille, parce que dans une telle circonstance, jamais j'aurais prononcé un vœu de la sorte d'interdire toutes les pastèques. Ouais. Donc du coup, le Chacham, il va me permettre mon vœu, il va me dire Motarlach, Motarlach, Motarlach. Il va annuler le vœu. Ça, maintenant, faire la Tarat Nedarim, c'est presque pas écrit dans la Torah. Il y a quelques petits versets, quelques petites allusions d'Aberl ben Israël, comment il dit, rapporte ici, le Yachel Devaro. Toi, la Torah, elle rapporte, la Gemara, elle rapporte à cet endroit-là, j'imagine la fuite bête, quelque chose comme ça, Yud-Gimel plutôt, Moudalef, la Gemara, elle rapporte plusieurs drachot où on marque, la Torah, elle a fait une certaine allusion, qu'il y avait quand même une certaine possibilité de permettre un vœu, mais c'est pas vraiment explicite. Maintenant, l'Ilchot Shabbat, c'est assez explicite, la Torah nous dit, tu feras pas une Malacha, et on sait c'est quoi une Malacha, mais l'Ilchot Shabbat, c'est vrai, mais il y a plusieurs détails de l'Ilchot spécifique ou l'Ilchot Shabbat, que c'est que quand tu l'es avec intention. Et pas si tu es mis ta sec pendant que tu fais une chose, en fait, il y a une mélacha qui va sortir de par ailleurs. Il y a toutes sortes de halachot, des précisions de halachot qui ne sont pas du tout explicites, que ça fait l'objet de plusieurs mishnayot et d'apim de Gemara même, mais qu'il n'y a presque pas de versets qui vont nous expliciter ces halachot-là. Va meilot, alors, chagigot, c'est le korban chagé qu'on est en train d'apprendre dans notre maserhet, que finalement, ça va explicite, on t'a dit que quand tu viendras au Batamigdash, tu feras le chag. C'est quoi un chag? Peut-être tu vas te mettre à danser, la chaude machog, une ronde, ça s'appelle un chag. La Gemara explique, on déduit qu'en fait, chag, chag Hashem, chag Lashem, char, et on déduit là-bas qu'un chag, c'est en réalité avec des korbanot. Et les meilot, alors c'est vrai que la Torah a explicité les lois des meilot, c'est sacrilège. Mais il y a tant de halachot originales dans les lchot meila qu'elles ne sont presque pas explicitées en réalité. Comme par exemple, si moi je vais vous donner de l'argent pour. Je suis le guisbar, je suis le trésorier du Batamigdash, je vous donne de l'argent pour aller acheter du pain. Et une fois que vous êtes en route, je me dis ah, mais l'argent qu'il doit donner, c'est l'argent du Hekdesh. Ouais, maintenant que j'ai pris conscience, vous allez dépenser l'argent pour aller acheter du pain, c'est vous qui allez transgresser l'interdit de Meïla. Vous savez pourquoi? Parce que moi, à partir du moment où j'ai réalisé que j'ai envoyé l'argent, je ne voulais pas le dépenser cet argent, parce que c'est une erreur, l'argent n'a pas encore été dépensé. Il s'avère que je me déconnecte de la Shlichut. Quand vous allez partir, vous le dépensez, même si vous êtes complètement induit en erreur par moi, c'est vous qui allez devoir apporter le korban meila. Ça, c'est des halachot comme ça qui sont presque pas explicités dans les psukim. À la différence de toutes les lois, comme on a dit, des dinim, avodot, qu'elles sont quand même tous soit explicites, soit elles ont des règles de déduction assez logiques, assez évidentes, avec les kalvachomer et les xerashava et les kesh, pour les déduire, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, hen, goufet Torah, tout ce qu'on a appris, c'est l'essentiel de la Torah malgré tout, même ce qui n'est pas explicite, ça a été transmis par Moshe Rabbeinu. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha, kol tov, selam.